Madame, Monsieur, bonsoir. Eid Moubarak Saïd et merci de votre fidélité à Al Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Eid al-Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a accompli la prière d'Eid à la mosquée Al-Fes, au Méchoir à Rabat et au Palais Royal de Rabat. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a reçu les vœux à l'occasion de Eid al-Adha. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Lala Esma à Rabat. Eid al-Adha, moment privilégié de convivialité, de solidarité et de partage. À l'Institut d'oncologie de Rabat, les bénévoles de la Fondation Lala Selma Prévention et Traitement des Cancers a organisé un repas au profit des patients hospitalisés et leurs familles. Eid al-Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, nous le disons, titre accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de Son Altesse Royale le Prince Khalid bin Talal bin Abdel Aziz Saoud et de Son Altesse le Prince Moulay Ismail a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Al-Fes au Méchoir à Rabat. Et au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan, a reçu les vœux à l'occasion de Eid al-Adha. Mohamed Aitlishka. Depuis le Palais Royal de Rabat, le cortège royal s'est dirigé vers la mosquée Al-Fes au milieu des vivas et des acclamations des citoyens, venus nombreux exprimer leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête. Et à la mosquée Al-Fes, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, de Son Altesse Royale le Prince Khalid bin Talal bin Abdel Aziz Al-Saoud et de Son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Après la prière, l'imam a rappelé dans le prêche de l'Eid l'histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux, ainsi que les nobles valeurs auxquelles cette histoire renvoie, à savoir le sacrifice, le don de soi et la générosité. L'Eid al-Adha couronne, dit l'imam, le rite du Hajj, le pèlerinage, et constitue donc une occasion pour l'ensemble des musulmans de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. L'imam a ensuite souligné que depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, ne lésine ni sur son temps ni sur ses efforts pour assurer progrès et prospérité à son peuple. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées auprès du royaume et qui ont présenté leurs vœux d'Al-Eid au souverain. Par la suite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a procédé au rituel du sacrifice, suivant en cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. L'imam de la mosquée a ensuite procédé à l'immolation du deuxième mouton. Et à l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a regagné le palais royal, alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Et au palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Al-Hassan, a reçu les vœux de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de Son Altesse le Prince Moulay Ismail. Sa
Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, ainsi que de plusieurs hautes personnalités, civiles et militaires. Et à l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 665 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 533 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 538 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 20 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 102 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 17 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Grâce sur la peine d'amende au profit de 76 personnes. Et à l'occasion de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a adressé aux chefs d'État des pays islamiques des messages de félicitations dans lesquels le souverain exprime ses vœux les meilleurs, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion en les comblant de ses bienfaits et d'accorder à leur peuple davantage de progrès et de prospérité. Sa Majesté le roi affirme dans son message qu'en cette occasion bénie, notre Oumma est appelée à méditer la portée symbolique de ce rite majeur de l'islam qui couronne la période du pèlerinage à la Mecque, acte de dévotion hautement spirituelle. Cette célébration est l'occasion pour les fidèles de gagner les bonnes grâces du Seigneur en s'imprégnant de valeurs de notre sainte religion qui prône la fraternité et la concorde et qui exhorte à la patience, l'altruisme, l'entraide et la solidarité, a souligné Sa Majesté le Roi dans son message. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a reçu les vœux de plusieurs chefs d'État des pays islamiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Asma à Rabat. L'imam a entamé son prêche en soulignant l'importance du pèlerinage en tant qu'un des piliers de l'islam, rappelant qu'à cette occasion bénie, les cœurs des musulmans des quatre coins du monde se tournent en direction de la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage et la visite de l'illustre tombe du prophète Sidna Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui. Le pèlerinage, a indiqué l'imam, est porteur de grands bienfaits et de nobles et incommensurables finalités, expliquant que l'âme du croyant en sort purifié de tout péché et souillure, s'élevant vers un rang élevé de piété menant droit au paradis. Et puis sachez également que les pèlerins marocains qui se sont rassemblés au mont Arafat ont élevé des prières au Tout-Puissant pour préserver Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et le combler en les personnes de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. ونجه من كل شر وبلية يا حي يا قيوم نسألك أن تعطيه بقدر ما يبذل وأكثر مما يبذل لبلادنا اللهم اجعله
من عبادك الصالحين آمين. اللهم اجعله من عبادك المقربين آمين. اللهم اجعله من عبادك المخلصين آمين. اللهم يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا رب السماوات والأرض يا رب السماوات والأرض احفظ ملك ملكنا احفظه حيث ما حل وارتحل اللهم زده محبة في قلوبنا اللهم زده محبة في قلوبنا واجعله تاجا على رؤوسنا. Eid al-Adha, un moment privilégié de retrouvailles familiales, de traditions, de convivialité, mais également de solidarité et d'entraide. Une fête placée sous le signe du partage. À l'Institut national d'oncologie de Rabat, les bénévoles de la Fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des Cancers a organisé un repas à l'occasion de Eid al-Adha au profit des patients hospitalisés et leurs familles. Zaki Abelkas, Zakaria Mohinbil. Une ambiance festive et conviviale à l'Institut national d'oncologie de Rabat. Grillades, brochettes étaient à la menthe pour partager la joie de l'Aïd avec les patients hospitalisés. Accompagnés de leurs familles, de membres du personnel administratif et médical, les patients ont pu passer des instants agréables pour les réconforter dans leur combat contre le cancer. On est là aujourd'hui, on a organisé une petite fête au profit des patients pour partager avec eux ces moments puisqu'ils sont loin et on est toujours à leur service. À l'occasion de l'Eid al-Adha al-Mubarak, un déjeuner collectif est présenté à l'Institut national d'oncologie en faveur des patients hospitalisés et aux équipes médicales et paramédicales selon des rituels culinaires traditionnels marocains. Cet événement a été organisé grâce à l'implication des bénévoles de la Fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des Cancers. Dans cette structure, d'autres patients hospitalisés affaiblis par la maladie ont été aussi ravis de recevoir autant d'attention en cette occasion. C'est une bonne initiative, on se sent comme chez nous. Nous avons été agréablement surpris par cet événement. On ne s'attendait pas à un tel accueil. Depuis l'hospitalisation de mon mari, la Fondation Lalla Selma nous a beaucoup aidés. L'Institut national d'oncologie de Rabat accueille chaque année 5000 nouveaux cas de cancer. De plus en plus pris en charge à travers le RAMED, les caisses de sécurité sociale et bien évidemment les multiples actions à l'actif de la Fondation Lalla Selma, traitement et prévention des cancers. Eid al-Adha, une fête où consommer du mouton doit se faire avec modération. Pour passer la fête sans nuire à sa santé, quelques précautions sont à prendre. Faire attention au gras et à la cuisson. Conseil diététique dans ce reportage réalisé à Casablanca. Un reportage signé Sarah Katira. Eid al-Adha ou fête du sacrifice, une fête qui se caractérise au Maroc par la préparation de repas familiaux qui font partie intégrante des festivités. Le plat de base reste la viande de mouton seulement. La consommation de cette viande en grande quantité n'est pas recommandée vu qu'elle comporte plus de 20% de graisse et d'acides gras saturés. En cette période, on consomme beaucoup de viande de mouton, surtout le premier jour où on mange du foie et des abats et de la viande le soir. D'après nos traditions, le premier jour, on mange des brochettes de foie enveloppées dans le gras boulfef. Le soir, du couscous à l'épaule de mouton. Mais moi, je veille à manger aussi des légumes. Pour les diabétiques ou les hypertendus, consommer de la viande ovine peut causer des ennuis de santé. Moi, je suis diabétique et j'ai pas intérêt à manger beaucoup de viande de mouton. D'habitude, lors de cette fête, j'achète de la viande de bœuf sans gras pour éviter les problèmes. Pour les diabétiques, il est préférable de manger des brochettes grillées ou le gigot rôti sans gras. Quant à ceux qui souffrent de la goutte, il leur est formellement interdit de consommer des abats ou la viande de mouton, vu leur haute teneur en acide urique. Eid al-Adha est une fête religieuse avant tout. Il est donc judicieux de consommer la viande avec modération et aussi de l'accompagner avec des légumes. Actualité internationale au lendemain du rite du stationnement sur le plateau de Arafat, c'est sur le mont de la miséricorde
temps fort du grand pèlerinage à la Mecque, les 2 millions de fidèles venus du monde entier ont célébré aujourd'hui Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ainsi que le rituel de lapidation, la première des trois stèles représentant Satan avec 7 cailloux ramassés à Muzdalifa sur le chemin entre Arafat et Mina. Les rites du pèlerinage se poursuivent avec les journées de Tashriq marquées durant 2 à 3 jours à Mina par la lapidation des trois stèles. Direction le Kenya à présent, la Cour suprême annule la présidentielle, une décision à la portée historique en invalidant pour irrégularité la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. La Cour ordonne la tenue d'une nouvelle élection dans les 2 mois. Dès cette annonce, des scènes de liesse ont éclaté dans les bidonvilles de la capitale Nairobi et dans l'ouest du pays, bastion de l'opposition. Kenyatta, élu pour la première fois en 2013, avait été proclamé vainqueur le 11 août avec plus de 54% des voix contre 44,74% à M. Odinga. Plus de 3000 membres de la minorité musulmane Rohingya fuient la Birmanie en direction du Bangladesh pour échapper à la nouvelle flambée de violence qui sévit au sud-ouest du pays. Reconnue et rarement évoquée dans les médias occidentaux, la communauté musulmane est persécutée par l'État birman. L'armée birmane se livre à une violente campagne de répression qui, selon les Nations Unies, s'apparenterait à un véritable nettoyage ethnique. À l'heure actuelle, le Bangladesh compterait près de 400 000 réfugiés Rohingyas qui ont fui les violences dans leur pays. Et on passe au sport et à présent, ça sera du tennis avec la poursuite de l'US Open à New York qui a débuté ce lundi par les matchs du premier tour. Aussi bien chez les messieurs que chez les dames, de nombreuses surprises ont déjà été enregistrées et pas des moindres, à commencer par l'élimination de l'Allemand Alexander Zverev, considéré pourtant comme l'un des plus prétendants, des plus sérieux outsiders. Dominique Hollande. Intéressante et très instructive, la nouvelle édition de l'US Open de tennis qui clôture à New York la série annuelle des 4 grands tournois du Grand Chelem en 2017. Aussi bien pour le tableau du simple messieurs qui fut amputé dès le départ par les forfaits de Murray, Djokovic, Wawrinka, Nishikori et Raonic. Chez les demoiselles, l'hécatombe s'est déroulée sur le terrain même des 2 premiers tours avec déjà les éliminations de Konta, de Halep, de Wozniacki, de Kerber, de Sibulkova et de Kuznetsova. Les grands tournois avec leurs nombreux importants matchs des premiers tours sont souvent l'occasion pour des joueurs et joueuses en devenir de laisser éclater leur tennis une bonne fois pour toutes et quitte à ce que cette seule fois viennent éblouir un joueur aussi grand outsider qu'Alexander Zverev. L'Allemand, tête de série numéro 4, a été battu en 4-7 par le jeune joueur croate Borna Koric. Idem pour le bulgare Grigov Dimitrov, tête de série numéro 7, qui en l'absence de tant de joueurs aurait pu redorer son blouson de nouveau leader. Son adversaire n'a pas eu besoin de plus de 3-7 pour l'en dissuader. Son nom, Andreev Grublev, il est russe. On en viendrait presque à oublier de signaler la défaite du tchèque Tomáš Berdych par le russe Dolgopolov en 4-7. Pour l'ensemble des joueurs et joueuses encore en lice pour ce 3e tour à New York, la consigne ou la mission reste la même. Accéder coûte que coûte en 2e semaine de ce prestigieux tournoi américain. On continue de parler sport, mais chez nous, cette fois-ci, dans un peu moins de 2 heures, à 21h exactement, les Lions de l'Atlas sur le chemin de Moscou 2018. L'équipe nationale rencontre ce soir son homologue malienne lors du match comptant pour la 3e journée des phases qualificatives à la Coupe du Monde en Russie. Hakim Ziyech devrait en principe intégrer le groupe. Ce sera également le cas
pour Mehdi Ben Attia qui fait son retour chez les Lions de l'Atlas. L'entraîneur national Hervé Renard est confiant pour gagner le match et espérer pour le Maroc donc de garder ses chances pour la qualification au Mondial en Russie en 2018. Un match programmé, je le rappelle, à 21h au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. Ça sera dans un peu moins de 2 heures. Et à l'occasion de la fête bénie d'Eid al-Adha, la SNRT a l'insigne honneur de présenter ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et de renouveler son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi une nouvelle fois. Eid Moubarak Saïd. L'info revient donc pour le JT en arabe. Un rendez-vous fixé à 20h en raison du match programmé à 21h. Une excellente soirée, bon spectacle et à demain.